Sieur Cartier. Ah, comment allez-vous, sieur de la proue entre elbite et fritules? Bien, bien. Reprenez-vous la mer, sieur marin. Pas du tout, sieur comptable, je reste ici. Me voilà surpris, sieur aventurier. C'est pourtant la vérité, sieur incrédule. Bon, eh bien, je crois que sieur d'aller déjeuner. Ah, regardez là-haut. Quoi, où ça? Juste là. Hein? Oh merde. Je souhaite que le roi vous expédie en mission. Ça m'a demandé de me jeter. Sa majesté me demande. Vos pitreries suffiront, Cartier. Vous traverserez l'océan et irez découvrir un autre pays. Mais quel autre pays? Un pays que j'appellerai le Canada. Et pourquoi l'appeler le Canada? Parce qu'il y a des hommes primitifs et des chevaux au Canada. C'est pas parce qu'il y a des chevaux au Canada que vous devez l'appeler le Canada. Mais oui, quand il y a des chevaux, on appelle ça le Canada. Mais quel est le rapport entre les chevaux et le Canada? Parce que le cheval, quand il court, il fait Canada, 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 Canada. Canada? Compris? Oui, mais il y a aussi l'homme primitif. Précisément, et c'est pourquoi vous ne devez pas arriver le lundi. Pourquoi pas le lundi? Parce que ça le gêne, le lundi. Le lundi, c'est le gêne. C'est pourquoi on l'appelle l'indigène. Et si je veux pas y aller, moi, au Canada? Je vous dis, vous traverserez l'océan, donc l'océan, vous traverserez. D'accord, vous. Je vous dis, vous découvrirez le Canada, vous découvrirez. J'ai compris. Je vous dis, telle est votre émission de télé. Je regarde pas la télé. À moins que vous ne préfériez prendre la direction des oubliettes. Et combien ça paye, la direction des oubliettes? Attendez, directeur des oubliettes, environ 4 francs le mois. Je préfère le Canada. Parfait, je vais pouvoir commencer à négocier le traité de la Nouvelle-France. Et oh, attendez tout de même que j'y sois, il est un peu tôt pour le traité de la Nouvelle-France. Comment? Trop tôt pour ce traité? Mais bien sûr, parce que ce traité... Eh ben quoi? Enfin, ce traité... Qu'est-ce qu'il a? Ce traité téméraire, ce que vous dites là. Vous partez maintenant! D'accord, d'accord. Ministre, qu'on lui donne des écus! Ce roi, je me le fourre dans le trou du cul. Qu'est-ce que vous avez dit, Cartier? Je serai de retour sans trop d'écus. Vous dépenserez ce que bon vous semble. Au revoir. Encore un voyage ridicule. Tiens, regardez les gars, c'est Cartier. Ne riez point de mon infortune, chers amis. Je suis en ce moment un pauvre homme. Oh, c'est un Cartier pauvre. L'on m'envoie en mission sur la mer, mais je ne suis pas sûr que je vais m'y conformer. Oh, on ferait mieux d'y aller, les gars. Le Cartier n'est pas sûr. Envoyé par François Ier, Jacques Cartier prépare sa flotte pour aller découvrir de nouvelles terres. Fichez les voiles! Sire Cartier. Oui, qu'y a-t-il, matelot? Vous avez dit fichez les voiles. Oui, fichez les voiles, oui. C'est parce que c'est hisser les voiles qu'il faut dire. Qu'est-ce que tu dis là? On dit pas fichez, on dit hisser. Hisse-moi le camp, espèce de petit morveux. Bon, d'accord, mais je vous aurais pris... Larguez les emmerdes! Non, Sire Cartier, non, Sire Cartier. Qu'est-ce que tu veux encore? On dit pas larguer les emmerdes, on dit larguer les amarres. Si j'étais toi, je ne resterais pas là. Quoi? Voilà. Ça t'apprendra à ne pas rester près de la porte de vidange des toilettes lorsque j'en ordonne l'évacuation. D'accord, Sire Cartier. Oh, la vigie! Oui, capitaine! Descendez, j'ai à vous parler! Capitaine Cartier? Qu'y a-t-il, garçon? Je viens de trouver une belle grande échelle de corde, je vais pouvoir nettoyer la poutre. Bravo, garçon. Je ne sais pas où t'as trouvé cette échelle, mais c'est une belle initiative. Merci. Bon, et à qui appartient ce canot? C'est le canot de sauvetage, capitaine. Dites-lui qu'il aille le foutre ailleurs. D'accord. Sauvetage? Quoi? Attention tous, parez, appareillez. Et un Perrier, un. Non, j'ai rien demandé, serveur. Sieur Cartier. Oui, qu'y a-t-il, sieur de la pop la pipe? On vient de trouver des œufs de mouette collés à la coque du navire. Les œufs à la coque, ça vient? Il faudra s'en débarrasser. Oui, car ça peut faire pourrir la coque. Je parle du serveur. Nous partons donc maintenant? Oui, il faut partir avec le soleil levant. Désolé, capitaine, on a le soleil, mais on n'a pas le vent. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas un souffle de vent, capitaine. Et est-ce qu'il y a un souffle derrière? Non plus. C'est pas ma journée. Et avez-vous songé au scorbut? Qu'est-ce que c'est que ça? Une maladie terrible qui nous menace tous. De quelle origine? Je sais pas, scandinave. Tu sais pas scandinave? C'est ça. Et tu sais pas ce qu'en dit le médecin non plus? Pas vraiment. Capitaine! Oui, petite. Il y a un navire! On n'est pas même parti encore. Où ça, un navire? À l'horizon, capitaine. À l'horizon? Oui, à l'horizon. Et ben moi je dis qu'à la paraison. Oui, à l'horizon. Et la paraison? Oui, à l'horizon. Ah, de toute façon, nous partons, diantre. Capitaine, il ne faut pas oublier les prières pour le navire. Non, je les ai ici. Regardez. Ah tiens. Prière de ne pas fumer. Ah, c'est bien ça. Prière de ne pas entrer. Il m'en faut une comme ça. Prière de ne pas se moucher dans la voile. Oui, ça c'est une bonne idée. Prière. Tiens, je vais les installer tout de suite. Bon, écoutez-moi tous. Ouais, capitaine. Nous partons au nom du roi. Vive le roi. Vive le roi. Nous servirons notre chère France. Nous servirons notre chère France. Ensemble et courageusement. Ensemble et courageusement. Dussions-nous en mourir. Dussions-nous.